Venez à l'Éternel. Venez à l'Éternel, gloire pour son nom. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Car le Seigneur, notre Dieu, notre roi, il a fait pour nous des grandes choses. Adorons-le, alléluia. Et bien aimé, dans le Seigneur, mes frères et sœurs, Christ, qui l'appelle la grâce de Dieu, soit avec vous tous. Nous saluons en nom de Jésus, nous espérons que grâce à Dieu, vous avez passé une semaine bénie et joyeusement, vous pourrez être capable d'adorer mon Dieu matin. Si vous n'êtes pas fatigué trop, vous pouvez camper avec nous pour nous chanter le numéro 153 français chant d'espérance. Jésus à toi, j'appartiens vous jamais. Viens dans mon âme habiter désormais, divine parole brisée, toute idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi. Hallelujah, amen. Jésus à toi, j'appartiens pour jamais. Viens dans mon âme habiter désormais.
Adorez-nous, qui sait, fais louange pour Seigneur.
servir en leur Dieu, ni leur bagage que vous. Moi, pas servir en leur Dieu, ni leur bagage que vous. Dieu Israël là, moi, pas servir. Seigneur, si difficile, yon allé si compliqué, yon allé avec un pire mauvaise nouvelle, yon allé avec un pire changement. Si vous pas camper pour nous-mêmes, Seigneur. Alpha et l'Oméga, Lion Judas.
Yeah.
respirer toujours. C'est pas si ma respirer toujours. Si ma respirer toujours. C'est pas. Ma respirer toujours, c'est pas où c'est ton Dieu. Alléluia, moi je veux penser à ça. Juste fais mes yeux, penser avec année. Nous commençons une année très bien, très soir. Mais en fin février, nous avons une nouvelle qui commence en China. Et tout le monde commence à dire, yes, that's the virus, the China virus. The China virus, coronavirus, China virus. Then, this coronavirus goes somewhere else. And now, tout pays dans le monde entier connaît coronavirus. And c'est simplement penser avec pays où vivre là. And in the United States of America, you just pense simplement. Combien de milliers de monde qui mourent? C'est pas yon, c'est pas deux, c'est pas 200, c'est pas 300. C'était à 300 000 combien de monde qui mourit. De penser avec ça, gardez vous-même, et si vous gardez sous ta fait probabilité, ou dans le pourcentage, ou même qui existait dans toute US population, ou même quel que soit votre vie là, dans toute population, ou gardez vous-même, ou gardez vos envies sous gardez probabilité. Pour ta envie toujours matin, c'est 0, 0, 0, 0. Ou pas de gens qui ont fait côté combien de 0 qui gagne. Mais cependant, nous avons un bon Dieu qui prend soin de nous. Nous avons un bon Dieu qui dit aucun fléau n'approchera de ta tente. Et même si on t'arrive, on n'est mal pas privé. Si on ne pas quitter ça arrivé, on a un cheveu en tête ou pas racheter sans permission. Nous avons un bon Dieu matin, on a servi qui dit même si on traverse les grandes choses là avec vous, même si on entre en identifier, en identifier, l'icône est là, même rat dans le tête, même rat sous, pas flambé, même cheveu en tête ou pas privé. Parce qu'il est en contrôle, lui en contrôle, lui en contrôle, lui en contrôle. Nous ne pas servir aux statues, nous ne pas servir aux idoles. Mais nous servir un bon Dieu qui est vivant. Nous servir un bon Dieu qui ne peut pas jamais dormir. Nous servir un bon Dieu, l'aime moi-même avec vous. Même les nos péchés, alléluia. Il fait un plan de salut, juste parce qu'elle va t'arriver, petit moi-même avec vous. Il est toujours là, bien-aimé. Il est toujours là, il est toujours là. Même si on ne parle pas, il est toujours là. Pour prendre soin. Et si vous pensez encore, combien de monde qui perdit travail depuis le commencement mars, jusqu'à maintenant, ou pas on blesse dans la rire. Jusqu'à maintenant, Seigneur, mettez au côté ou abdormi. Seigneur, bah, ou rade, il prend soin. Gardez moi qui a l'argent. Yo mouri. Gen an pil grand famille riche en Italie. Yo mouri. Yo gen moyen pour ta payer soin santé ça. Mais malheureusement, l'argent pas ka suffit. L'argent pas représenter rien. Et nous gen un bon Dieu qui pas mandé l'argent, simplement adoration. Simplement adoration. Simplement reconnaissance. C'est simplement ça le besoin d'amour. Alléluia. Nous adorons au Seigneur, nous te remercions. Merci parce que c'est bon Dieu. Merci parce que c'est mettre la vie. Merci parce que toujours prend soin de nous, Seigneur. Depuis dans le jardin d'Eden, Seigneur, lorsque grand-parents ont désobéi au Seigneur, ils ont essayé d'aller loin de eux-mêmes. Mais non, ils prennent une bête outillée, ils font un rat pour eux-mêmes, Seigneur. Ils font un manteau pour eux-mêmes. Juste pour te caraler à eux-mêmes encore, Seigneur. Nous adorons au matin, nous te remercions parce qu'ils prennent soin de nous, Seigneur. Ou prend soin nous, ou pas jamais quitter nous, Seigneur. Si c'est le premier jour dans la 50e semaine pendant toute année, Seigneur, nous te remercions. Combien de monde, Seigneur Dieu, qui est simplement un seul jour dans l'année, combien de gens qui est jusqu'à la 50e semaine, mais jusqu'à maintenant, nous-mêmes, nous vivons, nous respirons toujours. Nous adorons au Seigneur. Nous te remercions. À toi soit la gloire, l'honneur, l'orange, la puissance au siècle des siècles. Amen, amen. Nous allons camper. On va lire avec nous le psaume 138 à la gloire de Dieu. Puis après quoi, on va mettre avec Pasteur le psaume 138.
comme d'ordinaire, on avait dit ensemble, psaume 138, à la gloire de Dieu. Moi, je suis auprès, psaume 138, if you have an English version, you can follow it. Psaume 138, psaume 138, à la gloire de Dieu, but we will read only the French version. Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chantais l'orange à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue, accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront au Éternel en entendant les paroles de ta bouche. Et ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne nos cœurs. Soit un bel humain Dieu. Récitons ensemble notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, par nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Au Kababchita, la gloire de Dieu. Pendant qu'il n'apprenait avec pasteur pour saluer et faire annonce si nécessaire. Et puis, dès là, là, tout fait introduction pour offrande pour nous à la gloire de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Peuple bon Dieu bénis nous. Amen. L'Église Jésus-Christ, bon Dieu bénis nous. Amen. Peuple sauvé, bon Dieu bénis nous. Amen. Nous remercions lui, le même qui gagne tout pouvoir, qui bat nous heureux privilèges. Pour nous capables en chair et en os avec quelques staffs. Quelques staffs, pour nous capables d'adorer. Nous voulons saluer tout le monde qui la caille, et parents yo, qui sont obligés de rester la caille ensemble avec eux, parce que nous sommes obligés de coopérer avec le gouvernement yo, pour capables d'aider contre. En propagation virus là, donc nous remercier musiciens et l'équipe de l'Orange et quelques staffs qui fait déplacement pendant que nous saluons tout le peuple qui suit nous
sous ligne de prière là, 617-651-8230. Nous voyons salutations spéciales pour le peuple qui suivent nous en direct sur Facebook. Et nous saluons tout le temps auditeurs, téléspectateurs, YouTube, car le service là est disponible dans quelques heures sur YouTube. Et moi dis nous, grâce et paix, bon Dieu avec nous. C'est un privilège. Je dis en ce quatrième dimanche, mois de décembre, nous sommes capables de relayer dans Jean Français, nous sommes capables de lire pour nous-mêmes. C'est un dimanche euphorique, c'est un dimanche sensationnel, quatrième dimanche, dernier dimanche, année 2020. Nous avons un privilège, pendant que nous avons assisté dans l'État de New York, c'était presque force commune pour basculer le monde à l'enterrer dans une année difficile. Et puis, bon Dieu fait que nous, quatrième dimanche, le jour du Seigneur, n'a pas adoré, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et nous disons, bon Dieu, merci, comme nous t'ai précisé au début de mois. Donc, nous avons quatre super dimanches, quatre super Sunday. Donc, passé dans le premier dimanche, mois de décembre, côté nous avons partagé le repas du Seigneur. Jambé dans le deuxième dimanche, dimanche de la Bible. Passé dans le troisième dimanche, nous célébrons Christmas grandiosement. Et je dis, c'est le quatrième dimanche, dernier dimanche pour l'année. Donc, ce n'est pas un dimanche ordinaire, c'est un dimanche de fête. Et bon Dieu, tellement réglé, bagaille bien pour l'Église baptiste de la foi chrétienne, capable de fêter grandiosement. Donc, il permet que nous ayons avec nous, en chair et en os, le révérend Dr. Ludner Cardichon, qui passait de présentation, c'est Moun Lacaille. Nous avons gagné ce matin, qui va délivrer message le dernier dimanche, le dernier message, pas dernier message pour l'année, mais dernier message pour dimanche, pas de message dimanche matin encore, prochain message dimanche matin, c'est va en 2021, et nous saluer, révérend, nous connaissons, c'est une grande personnalité dans le monde évangélique là, c'est un ancien, pas connaître, c'est plus que 30 ou bien 35 ans de ministère dans l'église baptiste d'Henry. C'est 39 ans de ministère et c'est juge dans la cour d'appel des Gonaïves, professeur à l'université chrétienne Nord d'Haïti, l'a dit non plus. Est-ce que nous pas contents pour nous lien là avec nous matin? Amen. Et on pas content voir pasteur Ludner Cardichon et nous dit tout. C'est une fierté, donc non seulement pour lui-même, pour moi-même, avec la famille, parce que nous songeons dimanche, qui était précédé le 12 janvier 2010, dimanche qui était 10 janvier, dans 510 River Street, pasteur Ludner Cardichon, docteur, était avec en équipe l'autre pasteur dans Boston, pasteur Frémio, était ordonné nous comme pasteur dans le Saint-Ministère. Donc, nous disons Dieu merci et nous sommes capables de dire que pasteur Cardichon, par honte, il prêchait dans le ministère, nous, dans la première église baptiste haïtienne de Boston. Et je dis, c'est pour la première fois dans l'église baptiste de la foi chrétienne. Il est content pour le capable de rassembler ça. Et nous sommes ces petits dans la foi qu'il a donné nous. Et nous disons, c'est une grâce. Donc, pour annoncer, à soir, on a continué avec une série de 12 jours d'action de grâce que nous mettons pour nous dire bon Dieu merci parce que même personne qui est capable de agir là, pas de yon nous qui j'en une année tough et difficile. Nous passons année en 2010 difficile pour Haïti, mais pas, qui n'est pas difficile pour le monde. Mais ça qui a passé là, il est dépassé 12 janvier 2010, son bagage à l'échelle mondial, c'est une tragédie, c'est une catastrophe, c'est la mort qui a compté partout, côté tribord et bâbord. Et donc, nous
dis mon Dieu merci, nous sommes capables, là, matin, hein, en chair, en os, pour nous dire mon Dieu merci, et avec la foi que nous dit, et m'a déclaré en parole, par contre, si nous voulons recevoir, li, si 2020, coronavirus, pape jeté, eh bien, pape jamais jeté encore. Nous déclarons tout le monde nous safe pour l'année 2021 et le sang de Jésus a couvert. Prononcez le nom. Si 2020 va porter nous aller, eh bien, nous dit coronavirus, royant au nom de la puissance du sang versé de Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. La gloire de l'Éternel est élevée. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc, on a continué avec une série de chants et témoignages sous ligne de prière là. Et nous allons finir jeudi soir, qui sera 31 décembre. Nous invitons toutes bien-aimées à suivre le service nous sous ligne de prière, sur YouTube, sur Facebook, sur page adresse. Yon nan adresse yo, donc contactez-nous, contactez technicien yo, et pour capable brancher, nous avons délivré le dernier message pour l'année 2020 et puis année 2021 pour le prendre nous sous genou. Nous allons prononcer parole yo pour nous chasser tout esprit de mort et tout cercueil qui fabriqué contre nous dans le monde invisible. Eh bien, ils ont déjà crasé dans le nom de Jésus-Christ. Donc, nous disons mon Dieu merci. C'est activité spéciale ça, yo, nous gagnons pour ce maintenant. Donc, demain matin, avec une prière comme à l'ordinaire, c'est va dernier lundi. Ça dit qu'on y en a contrôlé chaque jour ces derniers. Hier, c'était dernier samedi. Vendredi, c'était dernier vendredi. Demain, c'est dernier lundi. Jusqu'à ce que nous arrivions jeudi 31. Et puis, vendredi, si Dieu veut, nous entrer tout neuf dans une année nouvelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous saluer tout le temps, bien-aimés, nous, qui suivent nous de loin, de près. I greet all of you who are following the service from far or near. We hope grace and peace of the Lord be with you. Christian Faith Baptist Church loves you and preach you that Jesus is coming back. May God bless you. Bonne adoration, bon dimanche, bonne semaine, bonne année. Que le Seigneur vous bénisse. Avec nous, nous allons prier pour l'équipe de l'Orange là, capable de prendre place pour la réception des offrandes. Et nous demandons toutes bien-aimées qui voulaient bah une dernière offrande pour dernier dimanche année pour la caillou pour capable faire ça joyeusement. Dieu aime celui qui donne avec joie. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour l'opportunité de t'adorer avec nos dîmes et nos offrandes. Nous demandons, Seigneur, bénis toute l'Église là qui, de loin ou de près, a adoré. Nous vous merci pour le staff musicien, pour tout qui l'a, pour capable offrir service à en ton honneur et pour l'édification de ton Église. Bénis toute main qui a déposé et nous déclarer, au pape, jamais la queue, il y a toujours la tête dans le nom de Jésus. Au pape, jamais en bas, il y a toujours en haut au nom de Jésus. C'est grâce que nous ne devons pas empêcher nous. Dans le nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh oui, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Nous voilà adorés, Seigneur, nous matins, encore, que nous joignons dans cette prière d'espérance. Moi bien content que papa mon dans le ciel, parle dans le livre pour le dire.
Hey!
raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. On va raconter les œuvres de l'Éternel. Et l'aimer tient sentiment abandonné. Dernier dimanche de l'année 2020. Merci pour ton église. Merci pour toutes les bénédictions spirituelles, matérielles dont nous sommes objet de ta part. Que ta paix soit sur cette assemblée. Que ta paix soit sur ton peuple. Que ta paix soit sur les États-Unis d'Amérique. Que ta paix soit sur Haïti. Que ta paix soit sur Jérusalem. Que ta paix soit sur les familles de cette église. Nous levons les malades devant. Visitez-vous et touchez-vous d'une façon spéciale. La côté où y a tant de nous, y a gardé nous. Fais-nous sentir que nos mains nous touchent. Bénis tout ministre de l'Évangile. Qui a annoncé de loin comme auprès ton Évangile de grâce. Et les obéos, annoncez paroles sans compromis. Avec force et la plus grande hardiesse. Bénis-nous en ce dernier dimanche par le canal de ton serviteur que tu as envoyé pour nous parler en ce jour. Que ton nom soit à jamais béni, glorifié, magnifié, exalté par Jésus le Christ, notre Seigneur, nous te prions, lui qui vit et qui règne avant tous les temps, dès maintenant et dans les siècles des siècles. Que l'Église dise. Amen. Que l'Église dise. Amen. Que l'Église dise. Amen. Amen. Nous mettons Chita. Nous disons Dieu merci. C'est une grande fête cet après-midi. Donc nous gagnons privilège pour nous garder des dégâts qui fait pour l'année, et puis bon Dieu bah nous la vie. Et c'est joie pour nous gagner, comme précédemment annoncé, le révérend docteur Lubner Cardichon, grand frère, collègue du ministère, frère dans la chair comme dans la foi, et nous avons un privilège pour l'avoir avec nous matin ou après-midi. Non, quel que soit l'heure que vous attendez des services là, et c'est un privilège pour nous demander le grand cher là pour le capable de délivrer dernier message pour dimanche pour année 2021. Demander peuple bon Dieu
Mettez-vous debout, applaudis le Saint-Esprit à travers serviteur. Donc, mettez-vous debout, applaudis le Saint-Esprit. Révérend docteur, collègue Benjamin Carl Dichon, distingué épouse et ces deux garçons, leader, membre comité, l'église en Silla, l'église baptiste chrétienne de la foi qui dans Dorchester, Boston. Frères et sœurs bien-aimés qui n'en sentent tant pas là, qui tout partout bien chance non seulement à attendre nous, mais à regarder nous à travers les réseaux sociaux, soit Facebook, puis tard dans YouTube, sur WhatsApp, Instagram, chers internautes, d'une manière générale, c'est un honneur, un plaisir, un privilège pour moi, pour maintenant, à midi, dans un moment si là, moi, salue nous tout le temps, nous chaque, quel que soit à côté de nous trouver nous. Non, Jésus-Christ, petit, bon Dieu vivant, la grâce, la paix, bon Dieu, pour nous tous. Et moi, pas capable pour nous, salutations, l'église que m'a dirigé en Haïti. Précisément à Emery, dans le haut Artibonite, depuis tantôt 39 ans de ministère. Année 2021, elle fait 40 ans de ministère dans l'église. Là. Et yo dit dimanche là, même Jean Saïe, pas bon ici, son l'église belle merveille, moi qui t'ai cap célébrer tout bel service en l'honneur de bon Dieu, grand maître. Et je dis à ces fêtes, fin d'année, en même temps, faites l'école du dimanche dans l'église là, dans son service à caractère hors pair, spécialement qui était cap déroulé. Et côté à la fin de service là, tout le monde bral chita, manger ensemble, déguster ensemble à la gloire de Dieu. Donc même Jean n'a adoré là, n'a adoré mon Dieu en esprit en vérité. C'est comme ça nous font seul avec la caille. Cap adorer tout. Moi ben mon Dieu gloire. Moi dis lui merci pour ça. Et chapeau babouli,
pour nous toutes, pour nous chaque qui accueillent, qui recevoir de ce que nous avons trouvé dans le temps pour la première fois dans l'enceinte assemblée. Et là, je vais regarder Jean Adoration à l'étape déroulée. Ce frère bien-aimé, cette sœur bien-aimée, qui t'a conduit tous les moments, adoration, ça y est. Et là, regardez nous-mêmes façon de participer dans l'adoration, c'est là, côté Mkampéa, côté Oshita, moi je dis, pas gain tant que bon Dieu qui est dans le ciel. Bon Dieu, grand monde dans le ministère. Bon Dieu, fait salver. Et ce n'est pas chrétien en Haïti qui a adoré. Chrétien en Boston a adoré. Chrétien tout partout dans le monde, côté, il y a un monde qui connaît mon Dieu, qui est conscient de mon Dieu fait pour eux durant l'année 2020. Il y a tout un bâtiment de gloire, au de loin d'une seule vérité. Et c'est la Bible qui m'a dit ça. Surtout à travers les psaumes pour nous piaffer. Pour nous sauter, pomper, pour nous souder comme nous, pour nous dire honneur, louange, magnificence, reconnaissance, grâce pour vous, Seigneur. Depuis le commencement de l'année 2020, on va avec nous, jusqu'à présent, on va avec nous, on ne peut jamais larguer nous, on ne peut jamais abandonner nous, on ne peut jamais quitter le coronavirus qui est pouvoir. Et je suis content, sentence, que le révérend docteur Benjamin Cardichon se prononce. Il dit, d'ici 2020, il y a chaviré la libra découlé, coronavirus pas rentré sous nous, pour 2021, pour reste la vie nous, coronavirus pas rentré sous nous. Et c'est pour nous tous, nous chaque qui là, nous camper sous sentence, sous vœu ça, sous promesse ça. Bon Dieu, tendez-nous, nous croyons en lui, nous faisons confiance, la faisons grâce. Là. Et nous souhaitons que ce n'est pas jeudi seulement, n'a pas adoré comme ça. Comme un dernier dimanche, dans un dimanche spécial. C'est chaque dimanche, mon Dieu mettait, chaque jour, mon Dieu mettait, 24 sur 24, matin, midi, soir, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, c'est pour nous faire louange pour le Seigneur. Et peut-être que famille, Gadichon, moi-même, docteur Benjamin, m'rale, un bon frère, derrière, mon grand frère, six frères, c'est nos six qui pasteur dans la famille. Donc, papa nous dit d'élever nous dans la crainte, dans la connaissance parole, bon Dieu, il t'a appris à nos chemins l'évangile. C'est trésorier l'église, c'est maestro chorale que l'aide a fait gros basse dans la chorale. Et là, nous regardons dans la fin à l'ISA. Jean, et pour elle, tu as commencé à venir comme une maladie, tomber sous l'IA deux brises, nous finissons qu'on est non bon, non pas bon. Tu es obligé de reprendre le chemin à l'hôpital, actuellement, tu es sous la cabane de l'hôpital. Mais grâce à Dieu, plus de peur que de. Je dis, bon Dieu, nous sommes serviteurs. Nous c'est servant, faut faire nous grâce là. Des pères à peine ni pas 92 ans, février si Dieu veut,
Donc c'est pas grand monde, des grands monde de qualité dans l'âge. D'ailleurs, l'hôpital fait toute qualité de tests pour lui. Yo, elle presque pas gagné. Faut ou bas nous personnage là pour nous passer fin d'année pour nous fêter célébrer avec elle. Et bonne nouvelle vient hier. Dit papa n'a pas plus mal grâce à Dieu. Si tu as peur de monter, ça fait le temps de monter au débat l'insulé, ni pas de cas descendre. C'est parce que si tu as peur de monter, nous battons nos comptes de ça, pour nous dégager en bas l'insuline. Donc, dans pipi en pile, les vignes déshydratées, il n'y a qu'un école. Et là, on tirait l'hôpital, docteur te dit, menez l'hôpital pour mener, mettez dans le sérum. Pour suivre de la contrôler, de la maîtriser. Et hier, bonne nouvelle là, vini, suivre de la descente jusqu'à 135, ni dans le sérum, li manifesté, li très bien, la reprendre visage, la reprendre col, n'a fêté tout le monde famille, n'a fêté avant pour la gloire, mon Dieu, qui grand maître là. Donc, mon Dieu, grand monde dans le ministère. Si moi, je suis là, si vous, au Kala, ne pas coucher malade l'hôpital, la caille a souffri, c'est grâce à mon Dieu, c'est normal pour nous faire louange pour le Seigneur. Et je dis merci en pile à nous tous, principalement à nos collègues, nos frères, nos docteurs Benjamin Cantichon pour l'invitation, ça, que le banon, l'impossible pour nous soutenir, pour nous répondre à lui-même. Même si il dit tout ça, le dit de nous, il ne va plus jamais assez. Mais ça qui est important, c'est pas titre qui comptait pour nous, c'est que nous sommes serviteurs du vivant, nous sommes prédicateurs de l'évangile. Et nous avons un cher professeur devant nous, qu'on y a, nous parlons d'un cours d'appel, Gonaïve, côté moi, c'est président de la composition. Dans mi-temps, deux juges obligés à côté, m'a siégé. Et puis, procureur de la République, ministère public, pour notre bord, avocat défense, avocat parti civil, yo chat, yo bord. Parmi des frères, des sœurs bien-aimés en Christ, n'a prêché l'évangile pour la gloire de Dieu. Encore une fois, ça, chapeau bas, compliments, félicitations. Moi, souhaiter à nous tous. À mon chat, yon très bon dimanche, yon joyeux Noël, Noël là toujours, yon très bonne fin d'année 2020, yon bon début d'année 2021 à la gloire de Dieu. N'a pas lu quelques versets pour vous dans le psaume 145. Seulement 6 premiers versets. 6 premiers versets du psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. Donc c'est la lecture spéciale, parole bon Dieu, était le moment que bon Dieu bénisse.
pour édification commune dans nous toutes. Et m'a regardé façon nous réunis, façon d'adorer. Et me connais que si c'est pas dernière mesure qui te prend en état massa souchette qui réduit l'homme fidèle là jusqu'à 25, là, pas de bien côté pour mettre des monde dans le moment ça. Et m'a une inspiration qui dit côté nous sortir pour nous arriver là, nous c'est monde bon Dieu fait. Mon Dieu fait pour nous. Nous c'est monde bon Dieu sorti loin avec nous pour nous arriver côté nous y là. Nous fait en pile route. Nous parcouru en pile chemin, nous franchis en pile étape, et grâce à Dieu, jusqu'à présent, nous avons gagné la bataille là, nous avons continué à rapporter victoire sous victoire. Et bien, se basant sur le psaume 145, les versets 1 à 6, moi dit que je ne suis pas capable de développer thème ça avec nous aujourd'hui. Hein? À savoir, à nous glorifier, non, bon Dieu, en toutes circonstances. Glorifions l'Éternel en tout temps. En toute circonstance, en toute occasion favorable ou non. Que ça bon, que ça pas bon, faut n'a glorifier le nom de Dieu. Nous connaissons des créatures sous terre. Laisse marcher bien. Ah, on dirait qu'on a même besoin de mon Dieu. Il y a qui dit, bon Dieu, ça me fait avec ça. Pas même besoin, bon Dieu. Et pourtant, c'est là ça a bon besoin, mon Dieu. Parce que côté bon Dieu, sorti avec. Côté bon Dieu, sorti avec. Moi-même, ce frère bien-aimé. Tout autre frère qui n'a famille, n'a un seul soeur que nous gagnons. Côté bon Dieu sorti avec famille, ça, pour l'élever la dignité, pour le faire de famille dans sa liée, au dia. Nous pas qu'à louer, non, mon Dieu, glorifier, non, mon Dieu, laisse à bon seulement. Même laisse à pas bon, faut la baille, mon Dieu, gloire. Donc, glorifions l'Éternel en tout temps, en toutes circonstances, en toute occasion, favorable ou non. Mais à ce thème, moi, je voulais rattacher un titre qui est assez significatif et qui a un rapport avec le thème d'encore. C'est les trois principales raisons pour nous glorifier, non, bon Dieu. Il y a pile raison, bonne raison, y a un chat raison, pas quelle raison. Pour ni moi ni vous, nous baillons de gloire en tout temps, en toutes circonstances. Mais principalement, je dis, en très peu de temps, nous voulons explorer trois maillots. But, message moins. Déjà compris. C'est fait, nous, ouais, nous, chaque qui l'a nécessité.
Et je ne suis pas prêt pour ça, parce que je déjà réalisé ça. Son assemblée, qui a fait mon deux doigts, qui a fait louange pour lui. Ah, si, non, ça a noté. Tout goumen, non goumen, redit, non redit, bataille, non bataille, l'argent, non dépense. Bon Dieu, qu'a mette nous là, yo di ya nan espace ça. Parce que yon pin moun assurément qui t'a fait pronostic, qui te croit que nous va pas plus loin. Nous est là, nous avons prêté, nous pas gen talent, nous pas gen potentialité, nous pas gen capacité pour nous faire ministère, mais l'homme bon bon Dieu dispose. Le monde lui a fait route lui. Elle a fait chemin avec ses vitelles, ses ventes lui. Mon cap jeûné, qui sont ligne, qui sont réseau, qui a prié matin, midi, soir, et la délivrance est arrivée, la délivrance n'est pas capable de venir, il faut venir quand même. Donc c'est une nécessité qu'on a glorifié le nom de Dieu. Ça c'est but, message moi. Et l'intention, dans le moment ça, dans la minute ça, c'est faire nous, si nous ne reconnaissons pas la nécessité pour nous glorifier le nom de Dieu en tout temps, en toutes circonstances, c'est comme si nous ne sommes pas ingrats. C'est comme si nous ne pas rien pour nous. Pour qui moun moye, qui race moi, qui origine moi, pour me camper derrière mon chair, derrière mon micro comme ça. Mais c'est grâce, mon Dieu. Qui moun moye le pas origine haïtienne, pour vivre dans un pays comme ça, qui a beau foutre toute possibilité, tout avantage, toute structure comme ça. Pour prêter dans un caille. On a tout son besoin à disposition. Ou pas dans l'insécurité dans le monde en Haïti. Quand il y a si je arrive là, étant en Haïti, je me déplace mal pour de pression, me contrôler bien. Qui lève pour me prendre route. Parce que si on l'aime guider, je vais faire mauvaise rencontre. Bandit a tout fait. Kidnapper, qui a mis les mains sur moi. Si mon débat est pote. Il a fait ça au vrai avec. Et pourtant, malgré tout, bon Dieu a gardé, l'a protégé. Il a quitté un plume, cheveux, la tête, mais on bagaille. Ça, c'est pas volontaire. De sorte que ni moi ni vous, si nous avons la gotilla, si nous avons vivre, c'est pas nous qui avons vivre, c'est Christ qui a vivre dans nous. Donc, nous n'avons pas un gras envers l'éternel. Frères et sœurs bien-aimés, collègues, pasteurs, bon Dieu, Dieu ça a en pile attribut, en pile qualité. Bon Dieu, c'est mettre toute qualité, attribut naturel, attribut moraux. Par exemple, bon Dieu, c'est l'éternel que l'il est. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est lui qui est là, c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui est toujours là. Bon Dieu omniprésent, bon Dieu omniscient, bon Dieu omnipotent. En histoire de la philosophie, nous on sait ça. Dieu est la cause des causes. Dieu est le pourquoi des pourquoi. Dieu est le comment des comment. C'est mon Dieu qui l'a pour répondre à toutes questions. Et même si les hommes ont osé dire que mon Dieu n'a pas existé, c'est pas mon Dieu qui fait ciel là, qui fait terre. C'est fou au fou. Parce que la philosophie qui sont sciences enseignait qu'il n'y a pas d'effet sans cause. D'ailleurs, Genèse 1er, verset 1er dit. Au commencement, Dieu. Bon Dieu, dans le commencement, tout bagaille,
bon Dieu, dans le déroulement tout bagaille, bon Dieu, dans le finissement tout bagaille. Et parole, bon Dieu dit, bon Dieu avec nous, tous les jours, matin, midi, soir, 24 sur 24, jusqu'à la fin du monde, ni moins ni moins, bon Dieu a pris soin de nous, il va chambre la guenou, il va chambre à pantoler. Donc si c'est comme ça, ça y est, c'est une urgence, c'est une nécessité, c'est ça philosophe Emmanuel Kant relaye. Un véritable impératif catégorique qui fait partie de la loi du devoir. Le devoir est impératif. Le devoir ne prie pas, ne supplie pas, le devoir commande. Le devoir est absolu et n'admet aucune condition. Et si moi ni vous n'avez servi mon Dieu, matin, midi, soir, 24 sur 24, nous voulons qu'on ait un bout de bon Dieu. Nous voulons un bout de bon Dieu. Et bien, bout de bon Dieu, c'est glorifier le nom de Dieu matin, midi, soir. Mais quelles sont donc les trois principales raisons de glorifier le nom de l'Éternel? Première raison, son raison qui est capitale, qui est valable. C'est parce que non seulement mon Dieu créait ni moins ni moins, mais mon Dieu mettait à disposition nous tout ça nous t'es qu'à besoin. Non seulement mon Dieu créait ni moins ni moins, ni permettre ni moins ni moins nous franchir toute étape de la vie, ni fait de nous ça nous y est aujourd'hui. Et bon Dieu mettait à disposition non, tout ça, nous, t'es qu'à besoin. Ce monde besoin qu'on ait, ça a de la création. Ce n'est pas seulement en Haïti pour être. Bien qu'en Haïti, bon, c'est 27 000 km² environ. Il y a une possibilité pour nous répondre, oui. Parce que ça a des années, de quitter Gonaï, nous avons côté où les bombards de police dans le nord-ouest pour nous traverser en ce rouge. Côté à l'époque, parce que c'est bien bois même, c'est soleil seulement, c'est caille, ou pas verdure même. L'offre qui était en ce rouge pour aller, pour franchir. Pour côté où il est belle et côté où pas ouais caille pas ouais jardin c'est plein de rage et ça rentre seulement ouais et sous ta pompane caoutchouc dans zone ça pas gagne de richan oublié jacou ou a mando qui sont fait et l'autre traversé tout plein ça rentre ça ou bien pression à marcher seul pas gagne monde en nature ou pas côté d'être barré. Vous réussissez à atteindre Bethléem pour monter en mode main pour te gérer les modes chiens. Et ça, ce n'est pas une bonne machine. T'es chargé. Si machine faible avant là, ou capron, ou capide en bas, en falaise, en bas. Mais l'on réussit, on monte en mode ça. Arrivé sur les hauteurs, dans le bombard de police, pour contempler tout le nord-ouest là. Où est la grandeur de Dieu? Où est la toute-puissance de Dieu? C'est ça que fait le psaume 8 ans, son psaume que j'aime en pile, le psaume 8 ans, il dit non comme ça. Le verset 4, verset 5 tout. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées,
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Donc, le psaume 8 est l'un des psaumes de la création et par excellence. Est-ce que tu as fait passer rapide au psaume 19? Hein? Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc, si elle la terre, la nature en général, reflétait la gloire de Dieu. Allons traverser rapidement dans le psaume 24. T'es chargé, oui. À l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocente et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Encore une fois, sans l'autre somme, qui exprimait la grandeur et la toute-puissance des dieux. Et sous ta fond traversée rapide, dans Romains, chapitre 1er, mes amis, qui ça l'apôtre Paul dit? Romains, chapitre 1er, hein? Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font ce que prescrit la loi, c'est que la loi divine est inscrite dans leur cœur. Et nous tournons dans verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Donc, nature ça, bon Dieu, fait nos cadeaux ça. Côté, nous respirons air que nous pas qu'à payer, laisse seulement. Si vous avez payé, mon Dieu, pour nous respirer, nous n'avons pas l'argent pour malheur et malheureuse pour nous payer, mais mon Dieu, nous gratis. Donc ça veut dire que la nature, c'est une preuve de l'existence de Dieu. Moi, j'ai eu une chance de voyager en pile pendant carrière et ministère. Et pastoral, moi, je suis allé tout le temps en Europe. Aller jusqu'en Angleterre, aller jusqu'en Asie, en Corée, et du Sud, on fait 12 heures de temps en avion, en mission, on traverse des mers, des océans. On regarde la grandeur, la nature, la toute-puissance de Dieu, et c'est ce que fait l'apôtre Paul dit, pas rien ça y est, les regarder le monde, tout ce qui existait. Il n'y a pas la même besoin d'entendre l'évangile prêché pour y repentir, convertir, accepter Christ en vie comme maître, comme sauveur, comme Seigneur personnel. Parce que la nature, à elle seule, est une preuve de l'existence de Dieu. Qui est ingénieur qui a construit terre en là? Qui est ingénieur qui a osé mettre les mains pour construire ciel là, j'en ai là? Ça fait le psalmiste nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ce qu'il a bâti ce travail, en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, garde en vain. Donc, mon Dieu, c'est le plus grand architecte de l'univers. Non seulement il construit le monde, il construit l'univers, mais il a veillé sur le monde, il a veillé sur l'univers, matin, midi, soir. Et avec toute crise, le monde
a connu une crise maladie coronavirus ça avec zam yon puissance tant coup États-Unis possédé qui a détruit le monde entier combien de fois si mon Dieu pas dans contrôle l'humanité pas existé toujours et si l'humanité existait ma vie ou à vivre c'est grâce à mon Dieu qui est dans le ciel. Et non seulement mon Dieu créé, nous sommes dit qu'il ça le fait, il va nous manger pour nous manger, il va nous cailler pour nous arrêter, il va nous de l'eau pour nous boire, il va nous toute qualité de travail pour nous faire, il va nous machine pour nous courir, et ça fait 24 sur 24, nous pas capable de glorifier le nom de l'Éternel. Mon Dieu créé nous. Mais elle mettait à disposition non, tout ça dans des cas de soins. Deuxième raison qui fait ni moins ni vous, nous devons louer le nom de Dieu, glorifier son nom en toute occasion, favorable ou non, matin, midi, soir, 24 sur 24, c'est parce que bon Dieu, bah, nous le salue en Jésus-Christ. Salut, bon Dieu, fais un cadeau, voilà. C'est pour un petit salut, on joue, non? Son salut tout bon, oui. Il y a un salut qui a un aspect passé, il y a un aspect présent, il y a un aspect futur. Où t'es sauvé? Chaudia, et on a toujours sauvé. Il y a un grand évangéliste, il y a Paul Gerhard, mais avant, il était une chance converti. C'est un monde qui a pris plaisir avec fille à droite, à gauche. Il était dans toute qualité, café, dans les clubs, la bambouchée. La coucher avec en jeunesse, fille de joie. Le Saint-Esprit besoin, vous connaissez ça? Dans n'importe qui condition, la brûlée. Sous la mouvance de l'Esprit de Dieu, le Seigneur brûlé, Paul Gerhard, divine à la repentance, à la conversion, à la nouvelle naissance, à la servir mon Dieu, et il est un grand prédicateur. L'évangile. Et puis on l'a prêché. On a fait service, mon Dieu. Il y a une ancienne dame, ça y est, qu'on prend plaisir, coucher avec elle. Dieu même, Paul Gerhard, on ne peut pas prêcher, puis on dit, hein. Parce que mes sortes, qu'on fait, moins qu'on a, moins t'es habitué avec elle. Vous pouvez venir nous dire, vous convertir, vous n'y a, qui les mange nous cabaye moun. Paul Gerhard prend tout sang pour répondre. Il dit, madame, c'est vrai, dès qu'on fait ça, dès qu'on mène pas moins mal, dès qu'on prend plaisir dans le café, non, dans le club. Mais bon Dieu racheté, je dis à bon Dieu sauvé, bon Dieu fait grâce. Grâce au sang de Christ qui t'est versé, coulé sous bois calvaire pour moi, je dis à moi, ça, moi, je dis à moi, son serviteur, mon Dieu, moi, son prédicateur de l'évangile et moi qui prêche pour l'évangile. Nous avons repenti. Converti. Jésus a retourné. Et moi j'ai espoir la vie éternelle au dernier jour. Côté Miala. Mais on même ne sont pas repenti. Ou pas converti. Ou pas quitté. Position Yéa. Ou a perdu net. Moi m'a sauvé pour tout temps et temps pour les siècles. Et cette dame est obligée de quitter sa vie avant de vivre. Il était viré d'ol. Tout, loin. Il n'y a pas de réplique.
li ti kamay. Ba konnen sou konn fè diferans, tout ap viv nan moun nan. Ou pa konnen moun Diyo. Avec Kounyo vin konnen moun Diyo, ou kren ni, ou ap servil, ou ap mache avèl, se pa menm bagay. Et ça fait l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, nous sommes co-ouvriers avec mon Dieu, ou c'est co-ouvriers avec mon Dieu, ou fait quoi avec mon Dieu, ou c'est collaborateur, collaboratrice, mon Dieu. 1 Pierre 2, verset 9, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, ou c'est monde qui fait partie de famille, mon Dieu. Ou pas rien pour faire cœur sauter, pour peur, pour craindre dans la vie. Philippiens 1er, verset 21, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Donc on a servi mon Dieu, ou quoi dans Christ, ou pas rien pour peur la mort. Mais la mort pour un chrétien, c'est faire manger, ouvrir la mort. Si c'est le monde qui arrive, ça me fait qu'ils sont café. Allez, mon ami. On a joué un papa. Allez, pour bonheur, c'est là. La mort pour un chrétien, c'est fermer Jésus derrière, ouvrir l'autre bas. Donc, Christ, c'est ma vie. La mort m'est un gain. Philippiens 3, verset 13. C'est Paul qui parle. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai pouvoir, j'ai puissance, j'ai fait tout bagaille. Grâce à Christ qui a fortifié. Galates 2, verset 20. Ça va bien, oui. Si ma vive, ce n'est pas moi qui vive, c'est Christ qui vive. Tout problème, difficulté, calamité qui présente dans la vie, livré par Christ, livré par mon Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui vivre, c'est lui qui vivre. Et il y a ce passage combien significatif trouvé en Romains 8, verset 35-39 qui dit qui bagaille sous terre, qui a séparé ni moi ni vous de l'amour, mon Dieu. Est-ce que c'est grand goût? C'est misère? C'est tribulation? C'est souffrance? C'est pas les mal? C'est mal comprendre? C'est calamité? Apôtre Paul dit, moi j'ai assurance que ni la mort, ni la vie, ni ange, ni hauteur, ni profondeur, ni domination, pièce force au monde, pas qu'à séparer ni moi ni vous de l'amour mon Dieu qui manifesté dans le petit de Jésus-Christ. Nous devons glorifier le nom de Dieu pour Jésus-Christ que nous t'allons. Et avec Jésus-Christ, nous avons tout bagaille. Nous sauvés, net. Nous t'es sauvé, nous sauvé aujourd'hui, n'a toujours sauvé. Et la troisième et la dernière raison, en cette fin d'année 2020, qui va terminer dans quelques jours, et me content de ce que le pasteur Benjamin a annoncé un programme qui est riche et varié, toute semaine, là, sous réseau, n'a pas de contact, n'a pas de communion, n'a pas de jeûne, n'a pas de prière, d'adoration. Troisième raison, c'est parce que nous ne pouvons pas seuls, mon Dieu, ne pouvons pas larguer nous seuls, même devant les plus grandes difficultés de la vie. Dans le moment qui est plus difficile, mon Dieu, ne pouvons pas larguer nous, là, toujours avec. Par contre, c'est nous conscients qu'il y a un pile de religions qui existent à travers le monde. Ce n'est pas seulement le christianisme, comme dans l'autre religion. Tant que l'islamisme, le mahométisme, cette grande religion qui a appartenu aux musulmans, qui a torturé le monde, qui a sacrifié le monde à travers le monde, qui a commetté dans la zone, là, même en Europe, là, en France, de temps en temps, bah, on se couche. Qui a commetté toute qualité d'actes terroristes par rapport à
prophète yo Mahomet par rapport à bon Dieu qui relé Allah. Et les gens ont agi. Yo tous ces causes religion yo que y a défendre. Mais l'on a regardé, ou pas, ouais, qui ça l'a fait pour yo, qui ça m'a fait pour yo, pèlerinage ou pèlerinage, ça n'a pas utile ou rien. C'est le bon Dieu qui a un pouvoir pour faire pour petit, pour serviteur, pour servante lit. C'est le bon Dieu qui n'en ciel là, Jéhovah, le Seigneur, l'Éternel des armées. Et c'est seul bon Dieu, ça, qui va nous Christ, qui mourit, qui ressuscite. Qui paraitait dans ton bois, qui sortit vivant, qui vivant au siècle des siècles. Amen. Si nous avons ton cas, on est malade. Même si médecin, toute qualité de médecin spécialiste, t'a dit, yo t'a condamné, yo pas qu'à faire, et moi, son cas qui perdu, si mon Dieu pas qu'à bailler, les hommes pas qu'à prendre. Parce que mon Dieu a pouvoir pour l'opérer aux malades, pour le faire toute trace, cancer disparaître, alors que les médecins disent la mort, mais cancer. Donc, mon Dieu va blaguer. Il va blaguer l'église. Il va blaguer l'assemblée. Ça. Il va blaguer pasteur Benjamin, ni madame pasteur, ni petit Dieu, ni nous-mêmes, tout corps fidèle, qui fait partie de l'assemblée. Ça. La vie chrétienne, c'est pas une vie de souffrance, mais c'est une vie qui est souffrance là-dedans. Alors, les bons temps, ils ont vu les mauvais temps. Faut vu les mauvais temps, tout. Faut bailler monde de gloire. L'apôtre Paul te dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, mais remportez victoire sur le monde dans son roue. Pour tes victoires sur le monde, pour vous, moi, t'es fléti. Heureux serez-vous, c'est difficile. Il y a poudragé, il y a persécuté, il y a dit sur vous toute qualité, la gagne qui mal. L'évangile dit, même si vous aurez l'eau dans le tribunal, ou par contre ça vous dit, et bien lui-même, le Seigneur mettez dans le bouchon qui choye pour dire, méchant, pas rien droit, rien victoire. Sur où, c'est où pour emporter victoire, c'est pour gagner une bataille là. Donc je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Si je suis seul dans le ministère, je ne pas faire tout le parcours ça. Côté ma fait ministère, ça pendant près de 40 ans. Son côté, les autres voyez là, en pile monde dit, c'est dans le désert, c'est dans le savant, nous voyez, qui sont mal fait là. Donc l'église, ça pas pour vous. L'unique a dit. Et à l'époque, moi, j'ai gagné un père adoptif, moi, qui était secrétaire de la mission, m'attendant l'église, tout près au cap, l'église, non, non. Pour m'en desservir, pour m'en l'école, pour m'en faire, pour m'en faire. Bon Dieu te choisi, il disait une rire la voyelle, et même dit, bon Dieu, m'en preuve, que c'est où qu'a voyé m'en rire, bon Dieu, voyé m'en rire, li m'en preuve, et bien, désert, ça va te plaire maléa, jusqu'à présent, m'a traversé, désert, m'a transformé en pleine. Et bon Dieu, m'en 5 petites, moi élevé dans une rue, yo tout aux États-Unis, qu'on y a au chaque dans nos menus à mener activité yo, moi pas capable louer, pas capable glorifier le nom de Dieu. Moi vais terminer mes sangs là. Si m'apprends temps pour raconter histoire, alors que mon famille là, pasteur jamais, nous tous nous connaissons comment te faire venir à la tête, il était pasteur titulaire première église baptiste de Boston. Ça qui vient arriver. Comment il franchit, on te tape à la vie avec nous. Mais si mon Dieu va avec lui, comment t'as fait? Nous te rapporter une victoire, ça nous bataille, ça pour nous là, il dit. Non, pas de repère, mon Dieu. Non, tant qu'il est nous, pas nous.
Même si ce n'est pas nous construire qui bâtit, mais c'est quand nous. Nous n'avons pas adoré mon Dieu, nous grand monde dans le ministère, nous, chers maîtres, chers maîtresses. C'est parce que mon Dieu, avec petit, avec serviteur, il va chambre la guerre, il va chambre abandonner. Frères et sœurs, bien-aimés, si c'est comme ça, ça y est, ni mon ou, il faut que nous prenions une décision, engagement. Bah, mais nous quitter l'assemblée à matin. Ou même Captain Demlakay qui branché à travers les réseaux sociaux, qui a gardé Cabral Tandem. Si, ou te qu'on fait négligence dans servir mon Dieu, dans adorer mon Dieu, dans glorifier le nom de Dieu, prendre décision dans le moment ça même, pour glorifier le nom de Dieu matin, midi, soir, 24 ans sur 20. Songez que, ou besoin de glorifier le nom de Dieu en tout temps, toutes circonstances, pour trois grandes raisons. Première raison, c'est parce que non seulement mon Dieu veillant, il met à disposition tout ça en ce qu'il a besoin, nous parlons pour nous plaindre, et les grands problèmes, il est en vrai, c'est coup de mon Dieu, la fait qui choisit pour nous. Deuxième raison, c'est parce que mon Dieu, bah nous saluons en Jésus-Christ. Nous pas sauver à demi, il y a mon qui Dieu pas croire si on sauvé, il a fait effort pour nous sauver. Depuis l'autre confesser Christ comme maître, comme sauveur, comme seigneur personnel, ou sauver, ou sauver. Ou appeler à marcher en nouveauté de vie jusqu'à la fin. Et troisième raison, c'est que mon Dieu va plus abandonner nous. Nous va bien seul dans le ministère que lui confie. Mais si nous quoi? Dans ça, on a continué à sauter, pomper, on a bien fait, on a connu le bout de mon Dieu, on a fait louange matin, midi, soir, pour les 24 sur 24, et alors seulement, nous avons un plus bienheureux, non seulement sur terre, mais dans le ciel, là, au dernier jour, c'est la paix, la joie, le repos, le bonheur, pour les siècles des siècles, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ô Seigneur, bénis ma parole que nous venons adorer. Ne permets pas qu'elle s'envole. Nous avons un mot pour nous dire bon Dieu merci pour ce message et pour nos jeunes, nos enfants. Nous avons demandé de partager ce message. Praise the Lord for many reasons. First, for everything He has done in our life. Praise the Lord because He is great. And God is good all the time. And all the time, God is good. Praise Him for salvation, for the blood of Jesus, for the power we have in this blood. Praise Him because God promised, He shall never leave you, neither forsake you. God is faithful. May His name be glorified, be magnified forever and ever. Mes frères et mes sœurs, mettons-nous debout pour nous chanter joyeusement. C'est une victoire pour nous célébrer, mon Dieu, en ce quatrième dimanche, dernier dimanche de l'année. Joyeusement, sûr de la victoire. Soldat du Seigneur, marche, chante gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine. Combat avec foi. Sûr de la victoire, oui, soldat du Seigneur. Marche, chante, gloire, oui. Tu l'auras, chante et donne.
Nous allons dire dernier mot de prière pour la bénédiction finale, mais nous reconnaissons envers l'Église Baptiste d'Henry, Pasteur Ludner Cardichon, l'hypothèque guide de lecture quotidienne pour nous-mêmes. C'est son père spirituel qui connaît ça l'Église besoin. Nous disons chaque bien-aimé prend un guide, il y a un passage pour lire chaque jour. Je fais expérience, je connais une grosse difficulté, puis mal dans le passage du jour, je regarde c'est avec un passage là à parler. Donc prend le guide là, il y a pour chaque jour qui passage pour lire. C'est guidé par le Saint-Esprit, donc bien-aimé, il a composé documents, ou même qui la caille. Ou pas cabine l'église, fais me connaître, bah m'adresse pour me poster le pour vous. Et bon Dieu, à pas bénir à travers parole. Nous nous remercions, Seigneur. Pas un mot pour nous remercier pour ce message, pour vibrant message, pour ton serviteur qui nous a parlé. Pas un mot pour nous remercier pour l'église baptiste de la foi chrétienne, pour victoire qu'on ban nous. Pour nous clôturer le dernier dimanche de l'année. Que ta grâce nous accompagne. Que ton esprit nous console. Que ton esprit nous guide. Au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous. Dès à présent et pour le grand matin de l'éternité, que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. Amen. My God is good, yo. Children double double, your anointing double double. Somebody scream, hallelujah! In the morning when I wake up, I will sing my praise.